J'ai entendu qu'il y avait à manger au fait, et je ne savais pas pourquoi. Et en venant ici, j'ai demandé la cause de ce mouvement. On m'avait dit qu'ils demandent à la mairie que la cantine devienne végétalienne. Voilà, qu'ils enlèvent la viande et qu'ils mettent en même temps le poisson ou les œufs. Et finalement, c'est vrai que ça rend service à la mairie, au lieu de gaspiller la viande, parce que nous, on ne la mange pas en tant que musulmans. Donc ça fait des économies, et pour eux, et c'est bénéfique pour les enfants qui mangent à la cantine et qui ne mangent pas la viande. C'est ouvert à tout le monde. Et c'est ouvert à tout le monde, parce que même les non-musulmans, ils mangent la viande, ils mangent des poissons, ils mangent les œufs, donc ça ne change rien. Et nous, en tant que musulmans, on peut quand même se servir de nos enfants. Le sens de ma démarche en étant sympathisante de l'association Bel Air, c'est simplement d'attirer l'attention sur les pouvoirs publics sur le fait que les enfants de familles musulmanes qui souhaitent pratiquer leur culte puissent avoir des cantines scolaires qui soient dans le respect de ce culte-là, simplement parce que sans quoi ce sont des enfants qui ne sont pas bien pris en compte au niveau de leur alimentation, et qui dit mauvaise alimentation, mauvaise concentration pour le travail, pour la suite des enseignements. Alors après, on n'est pas focalisé sur la viande halal. On peut proposer de la cuisine végétarienne aussi, c'est tout à fait possible. Ça permettrait de ne pas avoir le problème de la viande. Et concernant l'éducation des enfants, la nourriture est primordiale pour les apprentissages. Donc, voilà. Pourquoi le campement de la résistance s'est porté volontaire pour soutenir et voilà. C'est parce qu'il y a un lien qui est vraiment très direct entre la posture d'Éric Ciotti qui annonce au mois de juillet qu'il va criminaliser les parents d'enfants délinquants et qui en même temps on voit bien que l'État et les municipalités ne font aucun effort pour que l'autorité parentale soit respectée. Bon, je m'explique, grosso modo on dit aux enfants pourquoi tu ne manges pas de la viande non halal ou de la viande de porc, etc. Donc on remet en cause finalement l'autorité parentale. Et nous on estime que déjà la diversité de notre pays elle existe, que les musulmans ne doivent pas se sentir comme des étrangers. Et c'est pas parce qu'on est musulman qu'on est communautariste non plus. Donc c'est cette diversité là et c'est pour ça qu'on est content d'être ici, parce que voilà, on dit qu'on est ensemble dans ce pays. Et on estime qu'il faut que les enfants de musulmans puissent manger dans les cantines laïques. Et on laisse les musulmans donc payer la casse des services sociaux, des emplois qui se barrent à l'étranger, enfin bref, de tout ce qui est la casse des services publics, enfin tout ce qu'on est en train de massacrer en France en ce moment, c'est la faute des musulmans, on le sait, donc c'est eux qu'il faut stigmatiser. Et en fait, le but de toutes ces campagnes, c'est de nous faire oublier dans la merde dans laquelle on est. Et moi, en tant que féministe, donc je dirais, 25% des femmes sont victimes de violences conjugales, les mecs qui foutent sur la gueule des femmes, c'est pas des arabes, c'est des blancs. Il y en a quelques-uns d'arabes, certainement, mais c'est majoritairement des blancs. C'est pas ethnique. C'est pas ethnique, voilà. Ouais. On a trouvé sur internet une nana qui s'appelle Dunia Bouzard, qui avait lancé quelque chose sur les cantines végétariennes. On l'a contactée. On lui a dit, est-ce que vous êtes OK pour qu'on récupère une partie de votre texte? On l'a fait. On a mis ce texte sur Internet et nous, on a fait signer à la sortie des écoles. Et ensuite, on est allé chez Cohen, le maire, là, donc il y a à peu près un mois et demi. On lui avait amené les 300 premières signatures. Et donc là, on a reçu vendredi donc une réponse où il nous dit qu'ils sont en train d'étudier comment on peut mettre des nourritures équilibrées. Donc ils sont de cette à l'étude. C'est positif. Et Régis Godec, qui n'est pas là et qui nous a dit, donc Mère Schoenberg, qui nous a dit qu'il était de tout cœur avec nous. Donc il y a des ouvertures. Voilà. C'est génial. L'idée, elle est venue du fait qu'il y avait des mamans qui disaient que leurs enfants, ben, ne mangeaient pas suffisamment bien ou mal parce qu'ils ne pouvaient pas manger de viande. Donc on a pensé à une cantine végétarienne et non pas à des substituts de repas halal. Pourquoi qu'on dise qu'on essaie d'islamiser les écoles ou autre. Notre but à nous, c'est de pouvoir instaurer une égalité de traitement pour tous les enfants,
au niveau des repas. Donc le végétarien, je crois que ça convient à tout le monde parce que ça, on peut avoir un repas bien complet, équilibré en mangeant simplement végétarien. Parce qu'on a vu aujourd'hui, avec ce petit temps de repas, on a vu que c'était vraiment une nécessité et un besoin. Et que les habitants du quartier sont en demande. Quand on est obligé de les bourrer de pain parce qu'il n'y a rien d'autre, on ne peut pas demander à un enfant d'être efficace à l'école quand il a le ventre vide. Ce n'est pas possible. Donc là, l'égalité, c'est là où peut commencer aussi la discrimination. Je veux dire, l'échec scolaire, il peut venir aussi du fait que quand on a passé toute une journée le ventre vide, bah, efficace, on ne peut pas l'être. Concentré, on ne peut pas l'être. Et elle est où l'égalité de traitement là? Il n'y a plus d'égalité de traitement. Moi, j'ai encore plus loin, sans compter qu'aussi les mamans ne peuvent pas non plus avoir une vie sociale ou travailler parce qu'elles sont tenues d'être entre midi et deux à la maison pour pouvoir justement être là pour préparer le repas puisque les enfants ne veulent pas rester dans les cantines et elles ne vont pas payer des repas à 3 euros voire 4 euros pour que leur gamin ne mange rien toute la journée. Donc forcément pour elles ça implique qu'elles n'ont pas de statut social. Ils veulent faire croire aux gens que c'est la laïcité, mais au départ, ils se sont vendus dès le départ. Dès le départ, c'était le débat sur l'islam. Et c'est quand ils ont vu tout le tollé que ça a fait, qu'ils se sont rattrapés. Non, c'est la laïcité, mais on veut sauver la laïcité. En fait, ils mettent toujours en avant la laïcité, mais c'est... on sait que forcément, c'est pas... Et aujourd'hui, c'est vrai que ça devient grave, quoi. Je dis, c'est-à-dire que nous, on le vit, quoi, en tant que voilés. J'ai vu des femmes voilées se faire cracher dessus, on se fait insulter. Dernièrement, il y a une femme à qui on a retiré dans la rue de force son niqab. Voilà. Les gens dans les magasins se permettent d'insulter. On est toujours, voilà, toujours regardé. C'est très agressif. On est dans une période où vraiment, Sarko, il a réussi ce qu'il voulait. Il divisait les gens, il est arrivé. Ça, vraiment, si ça faisait partie de son programme, c'est le truc qu'il a réussi. Ouais. C'est vachement, c'est triste. Ouais, ouais, ouais. C'est...